Hey! Salut tout le monde, c'est Slicker qui vous parle aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle série qui s'appellera Road to Battlefield 1. Donc, qu'est-ce que cette série? D'où elle sort? Bah, tout simplement, en compagnie de Kev, nous allons faire des vidéos sur BF3 et BF4. Ce sera des vidéos en condensé, normalement une toutes les semaines. On sera sur un mode, sur un des deux, BF3 ou BF4, sur un mode particulier. Donc aujourd'hui, ce sera un maître d'armes sur Battlefield 4. Donc ce sera des séquences de gameplay, donc en condensé, où on vous mettra les meilleures parties, les délires, etc. Donc ce sera en compagnie de Kev. Du coup, sur sa chaîne, il y aura son point de vue. Du coup, je vous invite à aller sur sa chaîne, le lien sera dans la description. Et si vous voulez nous rejoindre pour être dans un prochain épisode, c'est possible. Il suffit de nous ajouter sur Skype. Donc nos Skype sont dans la description. Et on vous donnera peut-être l'adresse du TS. Et donc pourquoi pas faire une vidéo avec vous, histoire qu'il y ait plus d'action, etc. Ce serait sympathique et ça vous ferait plaisir, je pense aussi. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter, je vous demande si vous avez la hype par rapport à Battlefield 1. En tout cas, nous on l'a. C'est pour ça qu'on s'entraîne pour niquer des mères à sa sortie. Du coup, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Portez-vous bien et surtout, bon visionnage! Là, comment on va faire? Bon. Ah, évidemment kill dessus. Ah bah c'est toi. Alors, c'est dans la boîte. Y'a rien parce que c'est toi, mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, rien. Désolé d'avoir joué avec des armes de pute, mais. Non, c'est non, pas moi c'est qui pas ch... l'arme. Oh le PD! C'est pas l'arme. Là, tu vois, là, c'était Legit ce qui s'est passé. Tu étais en face de moi, il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien, on était en face, tu vois. Je ne dirai rien. Ouloulou. Bah là, vas-y, cache-toi, regardez. Là, je vais laisser ce passage. Regardez le speed, là, regardez-lui, est-ce que sa tête dépassait? Ah, oh, t'es fort, regarde, tu t'allonges. Oh, grosse merde, va. Voilà, fils de pute, enculé. Bah, c'est donc là. Oh! Oh! Ah derrière. Putain mais... Oh la belle campouse. Oh regardez-moi ça. Oh putain c'est joli ça. Et c'est tout. Donc, du coup c'est pas super. Bah, j'ai l'impression que je suis en train de laguer mais je lag pas. Enfin, j'ai un bon ping mais je lag. Ouais mais ça c'est... Je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Et il y a aussi ce putain de tracteur dehors là, si j'ai ouvert ma fenêtre. De merde, hein, bienvenue à la campagne. Oh, la ok, petite on a un score inversé, c'est rigolo ça. Non. J'ai vu un snap il y a pas longtemps, enfin, il y a pas longtemps, ça fait un petit moment, mais t'as fait une game de LOL. Ouais. J'ai niqué des mains. Mec. Ça fait des mois que j'ai pas touché au jeu, moi. Oh, ça c'est violent. Putain, on va se faire niquer par derrière. On aurait dit un canard. Un canard. Oh, putain, je dis souvent qu'il n'y a pas de recul dans BF4, mais là, mon dieu. Ah. Et c'est Kirk qui récupère le kill. Magnifique kill, on peut le dire. Ouais. On est sur du kill de qualité. Et nous sommes en 5-9 ratio négatif. Ah, il y a un mec là, il attend. Ah, tu... Allons au-dessus. T'étais bien parti pour toi. Ouais, c'était hyper bien parti. Il y a les mecs sur les deux toits. Côtés. Voilà. Oh non. Oh non, ce kill. Oh non, ce kill était gratuit l'autre. Ah. Et toi, tu viens par derrière. Ah putain. Ah, te marre pas, c'est pas rigolo. Ouais. T'aimes bien les kills par derrière, toi. J'aime ça. Ah non, ça c'est dégueulasse par contre. Ah, on part sur un. Je sais pas c'est quoi comme animal ça, mais. C'est un lama. Ah oui. Non, la main malade. Un lama qui a une rhinopharyngite, voilà. La marino. Oh, tiens un truc là. On tient un Pokémon là. Pokémon. Un lama avec des cornes là. Ceci est un kill de pute. Ça fait. Oh tu verras mais c'est ce qu'on appelle du brain mais un peu pute quand même. Voilà. Ah non il est dans mon dos, on se retourne, on y va. Oh il est extrêmement déçu, je te t-bag enculé. Oh. Alors la vidéo est soumise au...
Faut 18 ans, hein, parce que sinon... Ça n'est pas le point. Comprenez bien que je suis extrêmement déçu de ce qui vient de se passer. J'allais dire autre chose, mais tu m'as... T'es arrivé, t'as dit là. Gueule, tu m'as coupé. Bon. Oh, il a voulu me brain. Mais est-ce que tu serais pas dans la Nova Brain? Eh oui, à partir de là... Ah oui, ça te donne un pouvoir en plus. My god. J'en ai à... Oh putain, 39 minutes d'enregistrement de mon côté. Il va y avoir du dérush, mon pote, hein. On va y passer la nuit. Oh, oh salaud. Je savais que t'étais en plus, t'avais participé et tout, mais... J'étais low life en plus. Bien joué. Avec ton petit brassard de shit-talk, là. Oh. De russe, pardon. Oh, c'est... les communistes, hein, c'est tous les mêmes, de toute façon. Alors là, tu viens te mettre beaucoup de gens à dos, hein. Ça va débattre dans les commentaires. Mélenchon en PLS. Enfant à Hollande, hein, pour ceux qui savent pas. Bon, lui, il peut te ramener la meilleure bouffe du monde. Bof, quoi. Le pauvre, il a pas de chance quand même, ce mec. Hein. Il est pas beau, il est con. Et c'est censé être lui qui représente les Français. Artisan. Combien? Attends, là, parce que là, j'ai loupé tout mon shoot. Là, c'est Nathan. Vas-y, arrête. Oh putain de merde, ah. Comment t'es mort? C'était quoi ce combat de tarde? Bah écoute, moi avec mon L115, je t'entends les noscopes. Allez. Non, je suis mort, putain. Je m'en fous, je t'ai tué. Combat de tarde 2.0, bien joué. J'ai enfin eu mon noscope. Deux dodus contre des petits frêles, là, ils vont rien faire. Attends, m'inclus pas dans les dodus, moi je suis pas dodu. Hein. Je suis dodu, moi? Bah par rapport à moi, oui. Non, toi t'es massif. Et toi t'es la montagne, moi je suis la plaine. Après c'est quoi le plus beau? Écoute, la montagne de Game of Thrones... Tu triches toi, il... tout de suite... Tandis que la plaine de Game of Thrones, voilà quoi ça. Ça le fait moins. Et une plaine c'est beau. Parce que moi je préfère une meuf montagne qu'une meuf plaine, tu vois. Attends, comment ça? Tu veux dire les toutes maigres, voilà, des toutes moches. Ouais, c'est avec montagne quand il y a deux grosses montagnes bien parties. Voilà. Ah, la bonne terme. Exact, les meules. Allez, on passe par là. Et on se putain avec... Ouais, mais Rennes, voilà quoi. Allez sur BF3 les mecs, un vrai jeu ça. Faut savoir, après, si vous êtes encore plus nostalgique, non mais j'aime bien le jeu, mais je préfère BF3 quand même. C'est à la base, hein. Enfin, par contre, si vous voulez vraiment vous respecter, allez sur Battlefield Bad Company 2. Si vous voulez vraiment être le boss, allez sur Battlefield 2 carrément. Là. Non, sur Battlefield 1942. Et voilà. Là. Non, fait pas mieux là. Ah non. Ouais, allez sur Medal of Honor sur PlayStation. Là, exact, c'est ce que je voulais dire. Ou sur Space Invader. Et qu'est-ce qui est de plus beau que développer votre imagination? Les meules. Je vous attendais. Non, on joue, hein. Ah oui, hein. Ah. Non, mais reviens. J'ai plus de balles. Je suis donc. Une merde. Pourquoi t'es parti, salaud? Moi? Et toi? T'es parti faire le tour là-bas, hein? Oui! Putain, non, non, c'est dégueulasse. Alors je laisse le passage, vous me dites si je mérite kill. Je mérite kill. Mec, je t'ai tiré dessus, t'as pas eu un seul hit marqueur en vrai, quoi. C'est toujours la M249, j'arrive pas alors... à gérer. Oh! Putain, y'avait un. Tu l'as eu? Non, j'ai pas vu. Mais mec, j'étais à 20 points de vie, du coup je me cachais, tu vois. Mais... Ouais. Ouais, non, mais je comprends, mais. Oh, putain. Putain. Clairement, t'as. Putain, mais t'as chaté de ouf. Mais GG quand même. Mais t'as chaté. Mais GG. Oui, bon, écoute, moi j'étais. Hein? Oh, la vengeance. La vengeance. Voilà, on part sur une vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. Chaud. Oh!
le campeur du coin. Oh, une petite bague, enculé. Je pense que dans les records, je vais garder la deuxième et la première game. Enfin, et la dernière game. C'est la première, bon, je rage de trop, toi tu parles pas, donc c'est pas intéressant. Et je vais pas garder ce passage. Donc. Ouais, moi je vais le garder, moi. Non, mais si, je vais le garder en vrai. Formulation bien sympathique. C'est toi, je sais. Regarde, il est parti dans son coin. Mais t'as le kill. Non, je dis non. Allez, un troisième. Ah, regardez, c'est moi, Sneaker 36CPR, n'allez pas vous abonner à sa chaîne. Regardez comment il joue. Oh, le salopard de merde. Oh là là, le salaud, mec, mais non. N'importe quoi. Oh là là, tu es déviré. Non, là, non, mec. En fait, j'ai couru, là, je vous ai attendu. Vous êtes témoin de ce qui vient de se passer. Sneaker est un petit saloupio. C'est horrible ce qui vient de se passer. Là par contre, tu vois, j'ai envie de parler d'un truc comme ça. Dans BF1, ils ont enlevé le spot 3D avec A. Ah. Ça, c'est cool. Tu peux faire le bac. T'appuies un fils de pute au fond de map qui est là. Ah, il y a un ennemi qui va faire le bac. Où sont les gens? Ils sont tous au fond là-bas comme des salauds. Ah, je t'ai eu. Ouais, comme des salauds au fond. J'ai... Hey, le karma, j'ai dit comme des salauds au fond, qui sait qui me tue. Donc encore notre cher speaker, hein. Donc, oh, la première fois dans le coin, et là cette fois-ci dans le coin opposé au sniper au fond, évidemment. Et je campais pas, hein, j'ai... Attends, je me tue. J'ai regardé par là, hop. Petit kill gratuit. Xoxo, c'est pas un film ça. Non mais tu sais avec Xoho là, le mec qui fait des putains de montages de fou. Quelque chose... vaguement. Oh putain la chatte que j'ai eu. Oh mec, j'étais... Putain, j'avais un point de vie, comment ouais, t'es... Comment t'es... Comment tu veux que je te dise? Là, va falloir que tu me crois, mec. Hein. Ah, mais en gros, ça me démange au visage et j'ai lâché ma souris. En fait. Donc, Ah, faudrait que je baille une touche sur mon clavier pour quand je fais ça, comme ça, je puisse tirer. Oui. Ta-ta-ta-ta-ta. Et ça veut dire que je suis un connard? Oui. Ah, c'est comment ça? Bah de toute façon... Non mais t'as gagné, bien joué. Et de toute façon, vous êtes témoin. Et il a joué comme une pute. Oh regardez, il est parti se cacher. Et voilà, je me fais tuer. Putain! Mais bordel! C'est même pas à toi que j'en veux, c'est à ton putain de connard d'allié là. Putain, il aurait pu faire le beau jeu, se retourner, venir me tuer. En plus il m'avait, j'avais plus de vie. Ah! J'ai vraiment des merdes hein, sur ce jeu, les gens. J'ai vu un gogol courir en milieu de map, donc je me suis dit, tu vois, il va mourir. Oh putain, c'était chaud. C'est juste que. Ah, je reprenais mes esprits. Puis là, j'ai 5 de vie, donc j'évite de courir comme un mariole. Ah, toi. Voilà. On va faire du BF3 aussi dès qu'il marche sur mon PC. Faire un peu de nos chars. Ah mon pauvre, t'étais low life. Désolé. Je voulais pas. C'est parti tout seul. Oh là là, le petit double sniper, mais c'est quoi ce bordel? Oh. Un kill au pistolet, plus le couteau. Jouer.